tous, en espérant que vous avez passé une très très bonne semaine. Vous le savez, comme chaque vendredi, notre objectif reste le même: vous informer et vous divertir. Direct, place au sommaire de cette édition. Plus que quelques jours avant le moment tant attendu par les salariés de Maurice, le bonus de fin d'année est derrière la porte. Qui peut faire ça? C'est le dossier de cette semaine. Elle ne nous fait pas de cadeau aujourd'hui, mais sera bel et bien là pour ça. Noémie Nutt, Noémie Yuka, nous rejoindra dans cette édition. She's back and it's good to see her. Harry Stewart will be there for the world news. La célébration de Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Et si on affichait notre joie de vivre tous les jours comme les Bleus? Et quels sont vos plans de ce week-end? Et qui bon nouvel il y a dans sa pays là? Ursula la reine, notre femme soleil, nous en dira plus. Nous sommes le vendredi 9 décembre. Bienvenue dans votre news show. Le December mood est là. La Noël, le nouvel an, les cadeaux, mans et gras, la boisson à volonté, pétard. Et afin de profiter de tout ça, il faut bien évidemment de l'argent. Qui dit argent en décembre dit forcément bonus, boni de fin d'année, 13e mois. Mais seulement dès qu'il s'accasse la VSC, te trouve tout qualité vision. Que faire de cet argent? L'investir pour le futur, dépenser pour les cadeaux ou bien défonce te la gueule avec une bouteille de whisky qui te pouvait mis dans 5 temps, sonne pétard pour déclarer mari avec ton voisin parce qu'ils sont poubelles d'hommes dans ton la cour. Bref, dur des fois de trouver le juste milieu. Comment utiliser judicieusement ce boni de fin d'année? C'est d'ailleurs le dossier de cette semaine. Bonne ici de VSC! Et allez, le passe les là. Mon pédia, toi! Bonne ici de VSC! Hé! Vraiment, c'est l'avocat à dépenser, oui! Marie-Bo. Non, Zan. Pas faire ça, Zan. Kanja Hala? NPS 5 en promotion là! On veut être pas en promotion! Ça n'a rien que ça n'a déjà ça. Bah écoute, Lison. Moi, moto bon conscience. Moi, moto laisse sous chance, oui. Hé, bonne ici, PS5 encore là, MDAE! Et t'as fait un minute tard. C'est Mocas, mon travail pendant un an pour ça, et c'est moi qui décide qui me fait en Mocas, correct? Économise ton casse-son. T'es capable de servir sa casse-là pour terminer de la case. Hé, hey, qui économise casse-là? Très j'aime moi la fin de l'année, la misère à miser au point là. Mon dieu, c'est un cadeau pour ma famille, tout ça là. Je pas capable de dépenser casse, je pas capable de divertir, je pas capable d'économiser leurs ans. Correct pour un cadeau pour acheter, comprends? Fais le strict minimum, Zan. Ça casse la poêle vite, ça. Qui casse la pour finir vite? Tout pour gâteau salé à la fin du mois là. Bon, en tout cas là, qui ça n'a pas besoin d'écouter? Hein? Zan, ça bonisse là. Tu gagnes ça une seule fois par an. Qu'une servie, mon garçon. Un bon PS4 dans ton salon, une télévision 75 pouces, un nouveau téléphone, oui! Eh, ah, c'est bon. Mon collègue qui m'a besoin de faire un mot casse, ok? Ok, Zan. Faire ce qui est nécessaire. Hein? Merci. Eh, hey, tu gagnes combien de grammes? Eh, assez, mais pas de ça que tu gagnes. Sinon, Zan, tu peux dormir là. Tu peux dormir là. Zan! Tu peux dormir là? Zan. Bonissime VSC! Bonissime VSC! Côte de tété. Côte de tété tous les deux. Qui s'en a? Zan, fais attention, hein? On connaît ce là. Nous connaissons qui pendant ça l'époque de Sam là, eh bien, il y a une compagnie qui poil en vacances. Et avant là, en vacances, il y a un jimoun envie de profiter, faire beaucoup d'affaires au travail. Mais il y a des affaires qui, ou bizarre, connaît qui dans la loi, qui ou pas faire parce qu'il y a un problème, finir dans le cachot de soi là. Enfin, heureusement que Christophe Selambert est là pour nous éclairer sur les lois mauriciennes. Enfin,
Tanji. Hey, tu connais Kevin, c'est une manière de faire une femme dans le travail, c'est pas maman, Zimone, Sochi, ou bien poum poum bien Sochi, Sochi, ou bien ma chère, la jambe bien cocasse aujourd'hui. Eh bien, une bonne femme là, il l'a rasé, ça m'a l'air bon, il est piqué ensemble. Et je te mets, avec preuve à l'appui, je te mets une case sexual harassment au lit, et à cela, il risque d'aller en prison pendant 10 ans, et payer la mal jusqu'à 200 000 roupies. Mais dis bon, l'autre coup, on va faire un compliment. Enfin, compliment. God, dis pour dire où là où les quais, matelot. Et la pupe est tombée, nous rentrer. Nous accueillons à présent Noémie Yukia. Pour ça, Noémie Minute. Salut Noémie. Salut à toi, salut à tous. Ça va, tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ça va très bien. Bonne nouvelle, on pourra enfin arrêter. Hein, de se reprocher de trop manger. Oui, vous l'aurez compris, Nishal Joyram a recommencé à manger. Cet éducateur a mis fin à sa grève de la faim. Pour rappel, il conteste la hausse des prix des carburants. Et une chose est sûre, ce n'est certainement pas le Premier ministre qui l'a motivé à arrêter cette grève. Enfin, autre développement concernant l'enquête sur l'arrestation de Bruno Lorette, Patiena sur ADN, l'ours loto, ni lourd la drogue d'ailleurs. De rebondissement en rebondissement, voici le compte-rendu de l'actualité de cette semaine. On l'a appris avec le ministre Manish Gobin, quand on est le responsable du ministère de l'agro et qu'on est aussi attorney general, Guinso aha. En progression, madame. Appelez-moi, madame. Et quand on finit causer pendant presque 50 minutes, les journalistes présents, comment dire, mais ils s'environnent la case. Hein. Waouh, il arrive des heures. Je vous dis merci. Bien sûr, si vous avez des questions, je vais prendre des questions maintenant. Non, bien bon. Merci beaucoup. C'est bon, ça marche. Sinon, toujours pas de liberté conditionnelle pour Bruno Lorette et quand son avocat Shakil Mohamed était interrogé par la presse, interview là, type plus ressemblait à une micro-trottoir, l'augmentation de l'essence. Il n'y a aucun ADN de Bruno Lorette, il n'y a aucun élément, que ce soit la drogue, que ce soit fusil, que ce soit imitation, que ce soit boxe loto, que ce soit empreinte le boxe, Pena. Aucune empreinte ni ADN Bruno Lorette. Face à la presse, c'était aussi l'occasion pour l'association des consommateurs de l'île Maurice de faire état de sa colère au sujet des frais à payer à la MBC pour la diffusion de la Coupe du Monde. Et quelques précisions étaient cruciales. Le pour cause concernant la Coupe du Monde 22, certainement pas pour cause d'éliminatoire l'Allemagne, non? Et vous le savez, le gréviste Nishal Joyram a mis un terme à sa grève de la faim. Et juste avant, nous avons pris connaissance de cette vidéo qui a fuité sur Internet du Premier ministre, tout aussi tendre et rempli d'amour. Enfin, pour tout ça, c'est drôle, c'est moi, depuis 14-15 jours, on peut faire grève de la faim. Dans le reste de l'actualité, d'autres développements sont attendus dans l'enquête sur Bruno Lorette pendant que ses avocats réclament sa libération. Pauvre Bruno. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, merci beaucoup Noémie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Gagné. Hein. Et forcément, ce boni de fin d'année, hein, c'est du pain béni pour le duo d'artistes qu'on ne présente plus maintenant. Enfin, nous n'est plus présenté, mais nous ne parlons comment pour présenter d'autres. Les Watch Alpike et les Watch Alpike. Une banane, nous travaillons. Nous faisons comme ça.
Ils ont dit, et ils n'arrivent là pour nous être récompensés. Donc, c'est nous tu. Nous demandons ce. Quand on peut donner nous ça, donne-nous les dents. Moment qui bizarre, et l'air qui bizarre. Parce que, avant l'air, c'est plus l'air, et après l'air, c'est plus l'air, et quand l'air se vient, tu nous payes. Bonne soirée, nous ne parions. 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 Nous piétons, mais pas faire étant. Là, il n'est pas poussé à y aller. Parce que nous aussi, nous sommes contents quand nous arrivons à la TM, là, comment nous mettons nos petits codes, nous tous a fait l'un affiché. Bling, bling. Maman, c'est Marie la joie, ça. Oui, parce que quand tout court, mon madame, mon enfant, il finit par se commander un cadeau, maman. Tu comprends, là? Parce que si paye na ça, après, notre petit papa Noël. Et nous peut finir, tiens, si papa paye nous, là, non, mais Dieu le bureau travail. Nous pas le faire la grève. Bonne ça paye, béni. Nous paraît. Nous ne parions. Bonne soirée, nous ne parions. Bonne soirée, nous ne finis pas. Pas fait nous à faire la grève du vent bureau travail. Sinon, les là qui se pour bien faire, bien faire qu'un doulaï. Pas pousser à yé, famille. Mettre la joie dans nous l'équerre. Mettre la joie dans nous, famille. Donne nous à faire là. L'air qui bizin, date qui bizin, nous comptons aux autres. Donne-nous bonis. Le gâtan, ça. Et pas nous tous seuls. Tout le monde, comment nous gâtan, ça. Donne-nous bonis. Let's welcome now! She's back! Eris Stewart for We World in News. How are you, Eris? Much better. Oh, thank you. No, no, don't cough. So what's happening in the World in News, Eris? Welcome to the year 2022, where countries are passing laws that have banned sex outside of marriage, making it illegal for unmarried couples to live together. I see everybody who's not married looking at me right now. Indonesia is working on reforming its criminal code that will impact around 17,000 islands and could see things like adultery and premarital sexual relations banned. Should people be convicted of sexual relations before marriage, they could face up to 1 year in jail. What? So, how do authorities intend to police this and the adultery? ABC News reported this week that only spouses, close relatives, parents, or children will be able to raise a complaint with authorities. So, basically, your own family would need to snitch on you for you to be found out to that you're contributing these laws. What's even more surprising in the story is that these laws also apply to foreigners. So if you are unmarried and planning a trip to places like Bali, you might want to rethink those plans. What? Not only is this a huge knock for an already struggling to recover tourism sector, but cries of human rights violations have also been made, saying the policy jeopardizes morality, free speech, and civil liberties. Welcome to 2022. So no, if I go to Bali, it's not for sex. Make sure you're married first. I will enjoy my holidays. In jail. In other ways. We all know that airport security can be tricky, given that people will always try to travel with weird things in their bags. But this takes the cake, because the TSA, or the Transportation Security Administration in Wisconsin, United States, were met with an unusual piece of baggage this week at a security checkpoint. You see, this is because the bag had a dog inside, a living, breathing dog who was packed in the hopes that all that airport security would not notice someone trying to get their dog onto the plane. Apparently, the excess bag fee was just too much for the passenger, who thought this was a much better idea. Earlier in the week, in another part of America, New York, a cat named Smells was also discovered packed in carry-on luggage. We get it. Americans like to travel with their pets, like hidden stowaways, so they don't have to pay for their pets to travel.
Maybe let's try doing it in a way that doesn't involve packing a live animal in a bag that needs to fit in the overhead compartment. Yeah. Poor animals. How do people even think this is a good idea? Like, how does the animal stay in the bag? People, don't pack your bag. Pack animals in your bags, please. No, no, Asha. Meow. Urit. And in the spirit of the World Cup, most can agree that playing at that level of football is a huge amount of pressure, right? Well, some people buckle under the pressure and others, well, they shine. Gonçalo Ramos, Portuguese forward, made an explosive entry to this year's tournament when he was chosen to play against Switzerland instead of the team's all-time leading scorer, Cristiano Ronaldo. I think we all know why. And what did he do? He came on to play and scored a hat-trick, which contributed to the team beating Switzerland 6-1. Needless to say, this has propelled him into the spotlight, and most would hint that it has given him and his career the kind of boost any player would kill for. When asked about all of it, he admits that he himself was shocked in being chosen in the starting 11 for a knockout phase game, and he was just happy to do it for his country. I'm kind of glad this is what making the news and not all the controversial ish that's happening with Ronaldo at the moment, to be honest, and it's good for him. Sometimes the universe really is on your side. Exactly. And that's all from me. Yeah, thank you, Arisa. Thank you. We'll see you next week. Indeed. L'actualité sportive toujours dominée par la Coupe du Monde au Qatar. Et ce soir, place à l'entame des quarts de finale. Demain, vous le savez, c'est ce choc entre l'Angleterre et la France. Les Bleus qui ont décroché leur qualification après avoir battu la Pologne avec notamment un but d'Olivier Giroud. Et ce qui a retenu l'attention, c'est bien cette célébration très intense entre Giroud et Mbappé. Marquer des buts, c'est bien, et si ce genre de célébration était chose courante dans la vie de tous les jours. Au portage. Sapointe là encore, par bon là. Olivier. Ouais. Sapointe là, par bon. Merci, merci. Je ne connais pas ce qu'on a fait là, moi. Attends. Là. Hop là. Hop là. Kylian. Ouais. Viens voir, ça moche. Pénaler le sol là-dedans. Olivier. Ah, Kylian. Là, te pèse tout aider en même temps, te garder le sol. Aussi simple que ça. Lui-moi aussi. Ben oui, lui-moi aussi. Olivier. Bon. Comment... Olivier. Ouais. Olivier Giroud. Ouais. Mon père connaît comment allume l'auto là. Mon père connaît code ce série arrêté. Prends ça à peine en série. Prends ça, mets ça là-bas. Mais mon bizarre tourne. Prends la clé là, mets-le là-bas. Code ça. Là-bas dans quoi là-bas. Peu importe. Mets-toi les pieds au frein. Oui. Là. Pèse start dans quoi là. Code ça y était. Start dans quoi. Code ça y était. Là, start. Dis crier. Pèse start. Hey là. Ah, pas misé série, non, on y est. Non, hein. Pas misé. Olivier! Reste, pas fait calé, c'est pas qu'ils histoire. Hein. Arrête de tout le monde tout ça, la faire sourire, tout ça, la reste. Mais tu sais. Mais c'est check quand aller. Olivier? Grâce à lui, nous réservoirs vides, nous pas pégué impression de l'eau. C'est notre rayon de soleil! Et je suis là, la reine! Hello, Bertrand. Ah, non, j'aime pas. Mais si! M'espérer qu'il ait l'eau coulée, ok? Exactement, oui. Hello, Bertrand. Hello! Woman, rayon de soleil, woman, zoli, rayon bicyclette, comment Bertrand a pu le dire. Bonne nouvelle, cette semaine, j'ai deux idées cadeaux de Noël pour vous. Il s'agit de deux livres. D'abord, pour les amateurs de cuisine, Foodwise a lancé le livre Recettes 5 étoiles, un livre de 30 recettes zéro gaspille à petit prix. Ces recettes sont facilement réalisables avec les ustensiles les plus simples, je ne peux pas faire ça côte zut. Donc pour ceux qui ont pris la résolution de cuire à manger l'année prochaine, eh ben vous pouvez commencer par recette 5 étoiles signée Foodwise. Alimentez l'étude à lumière. Ça vous parle? Ah ben oui. Le groupe Abin qui fête ses 40 ans cette année a lancé récemment un livre DVD autour de la comédie musicale 6 ans aux ce 8 frères. Je te rappelle, Tiena, un spectacle en 2018. Eh bien, vous pourrez en tout cas découvrir ou redécouvrir cette œuvre. Alors,
Le chercheur en littérature Bruno Jean-François disait lors du lancement de ce livre DVD, il faut que les enfants reprennent goût à écouter les petites histoires car c'est ce qui nous réunit, cet amour d'écouter des petites histoires de la part de nos aînés. Enzo Lica de Noël en tout cas. Oui, c'est magnifique. Aussi, tu comptes avec les petites histoires? Oui, ça nous rappelle un peu nous l'enfance. Ouais. On peut en place, c'est indispensable. Tant mieux. Exactement. Alors allez sur abin.itnet.mu pour plus de détails. Et puis Radio One vous donne rendez-vous ce samedi 10 décembre. Nous posons nos platines au Irish Pub à Trianon pour la soirée Summerize. Toute l'équipe de Radio One y sera et nos DJ également, Edilene Faya, David Johan, Yann et Maniche. Rendez-vous donc de 21h à 2h du matin pour célébrer le retour de l'été avec nous, un événement powered by Kabissa. See you there? Yeah, we'll be there! Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Pas oublier qu'ils ont positivité plus fort qu'ils ont négativité, wello! Merci beaucoup, Yashila! Avec plaisir! À la semaine prochaine! À la semaine prochaine! Merci, The Finget, cet épisode du New Show là. Encore une fois, pas oublier pour like, commenter et share sa vidéo là. Sonne la cloche, subscribe sur la page YouTube de One TV. Et surtout, pas hésiter, abonne-toi sur les différentes plateformes, que ce soit Facebook, Instagram et aussi TikTok. L'on s'appelle plateforme là qu'ils ont fini avec nous un bon message qu'on va lire tout de suite à commencer par Ritesh Ketouarou qui dit à nous salut l'équipe, big up à vous tous, vous faites un très beau travail et il peut saluer individuellement hein, chaque membre de l'équipe. Merci beaucoup oh, Ritesh. C'est Marie gentil, merci. Et il peut dire à nous également bravo à l'équipe technique et réalisation aussi qui fait un énorme travail. Voilà. Après Lidiano, qui s'en a ça? Gio Vice, qui dit nous causer Bertrand, monde Gucci. Radio One peut payer bien. Il a fait dans la foire. Sans oublier la foire, quand même. Mais pas qu'à faire réclame, sorry. Mais bon, c'est fait. Après, il y a Njimoun, je ne connais pas qui s'en a. Ça, Njimoun l'appelle Noem Huck. Noem Huck. Noem Huck. Qui peut dire nous, Flocon, tu es une star. Donc, pour rappel, donc, la semaine dernière, vous avez vu un Flocon. Le chat, donc c'est mon chat, ok, bien content. Mais bon, pas que ça soit Noem Huck là. Hein? Noem Huck. Suspicious. Après, il y a Ridwan Haider Khan qui dit à nous. Noem Huck. Ah, ok, vous ne parlez pas pour moi. Exactement, oui, voilà. Après, il y a Ridwan Haider Khan qui dit à nous. Jolie émission, si Wachal Pink et Wachal Pink peut écrire une chanteuse, fais-moi connaître. Mon ex-péro d'un travail, je suis capable d'appeler Casalpin, Cléa. Oh non! Bon, ouais. Bon, ouais. Voilà, me fait un petit appel à Wachalpin et Wachalpin, Sanja et Olivier, si je peux écouter. Il y a un troisième membre qui est capable d'intégrer l'équipe. C'est l'ex de Ridwan Haider Khan qui appelle Casalpin. Allez, continue comment, continue share et on va se faire un plaisir de lire vos commentaires la semaine prochaine. D'ici là, je te connais. La ville isolée, quand nous vivons avec Badjibun qui nous content et nous marie content. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Utilise votre bonus à bon escient. Allez, ciao.